Mais par rapport à la nature de cette crise ici, c'est, oui, ce qui est frappant, c'est qu'en 2010, c'est sûr, ça paraissait vraiment des querelles de politiciens, hein, je mets ça entre guillemets, mais qui passaient au-dessus de la tête des gens, BHV, etc. D'ailleurs, qu'on a scindé, tous les francophones vivent assez bien avec. Donc ça, les enjeux, c'est vrai, nous paraissaient extrêmement loin. Aujourd'hui, les différents partis, le PS, le MR, le CDNV, peuvent communiquer sur des enjeux qui leur semblent concernants pour les citoyens, les pensions. Quand c'est le budget, c'est déjà moins vrai, mais enfin, on comprend. Alors derrière, il y a la fiscalité, les impôts, enfin, c'est des choses qui touchent les citoyens. Quand les partis communiquent là-dessus, ils ont évidemment plus d'adhésion de la part, en tout cas, de leurs militants. Donc oui, c'est pour ça que la crise, à mon avis, et pour reprendre votre expression, Arnaud, n'est pas une question de jeu politicien, même s'il y a une dimension de chaque parti veut évidemment protéger ses intérêts, mais ça, c'est de toute éternité dans toutes les négociations. Mais que, ici en particulier, c'est bien des questions, et je reviens à ma première intervention, des questions de fond qui se sont peut-être, pas je vais dire radicalisées, mais qui ont pris plus d'importance dans certains partis, qui sont revenus sur leurs convictions pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure, qui sont au cœur de la crise, et notamment des convictions très différentes quant au climat. Qu'est-ce qu'il faut faire entre les solutions de la NVA sur le nucléaire, et le PS et écolo, qui sont différentes quant au rôle qu'on veut donner aux citoyens dans le système. Par exemple, dans la note Magnette, il y avait des propositions qui ne se retrouvent pas dans les dernières notes. Enfin, il y en a plein des sujets qui sont des sujets de division. Et des sujets de division, il y en a toujours eu dans notre système. Mais ici, vu la fragmentation politique, je reviens quand même sur les fondamentaux, et la réalité des urnes, ils sont d'autant plus difficiles à dépasser cette fois-ci. Et on peut pointer une réflexion faite il y a quelques mois par le politologue Yascha Mung, qui enseigne aux États-Unis d'origine allemande, Caroline Segesser, qui remarquait aussi que aujourd'hui, le fait que les extrêmes gagnent du poids oblige les partis traditionnels à souvent faire beaucoup de concessions pour faire des coalitions souvent de plus en plus larges, et que du coup, le discours des extrêmes qui revient à dire que les partis traditionnels font tous la même politique, qu'ils soient de gauche ou de droite, prend du poids et les renforce encore davantage, ces extrêmes-là. Quand on voit ça, on se dit qu'il y a un cercle vicieux dont on ne voit pas la sortie, là, pour oui, le moment. Oui, évidemment, effectivement, c'est bien toute la racine du populisme, de pouvoir continuer effectivement à critiquer de l'extérieur sans être forcé de passer par ce compromis. Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse que Bertrand a fait de la crise actuelle, surtout par rapport à la dernière. Par contre, je suis moins optimiste sur la compréhension du citoyen face aux enjeux. Oui. Donc je ne suis pas très très convaincu qu'ils le perçoivent correctement, et je ne suis pas convaincu qu'ils soient patients, parce qu'ils se rendent bien compte que c'est justement parce que ces aspirations sont difficilement conciliables que ça bloque. Les partis se sont plus légitimes de communiquer là-dessus. Je suis bien d'accord. De la passivité, oui, effectivement, de l'opinion. Que quelque part, le PS par exemple, pour le citer lui, pourrait aujourd'hui peut-être plus facilement dire à son électorat, on n'y va pas avec la NVA et tant pis si le pays est bloqué parce que ces options politiques-là sont imbuvables pour nous, alors que peut-être en 2010, il y avait une telle pression de la population pour dire il faut quand même avancer et faire un gouvernement que quelque part c'était plus fort que l'option idéologique. En 2010, on était sur l'institutionnel et alors on a vite agité, à tort ou à raison, plutôt à tort à mon avis, le spectre de la fin de la Belgique. Et donc ça a suscité une forme de mobilisation en disant mais non, on ne veut pas la fin de la Belgique, on veut un gouvernement. Maintenant, il y avait le risque financier aussi à l'époque. Mais je crois que c'était moins perçu par la population qui manifestait vraiment en faveur du maintien de la Belgique. Alors le risque actuellement, je ne pense pas que ni aujourd'hui ni hier, ce ne soit vraiment la fin de la Belgique, mais il y a quand même des risques qui sont très importants en matière effectivement d'équilibre budgétaire, de quasi-banqueroute de la sécurité sociale, de pourrissement de la situation avec un ensemble de décisions qui ne sont pas prises face aux enjeux climatiques, face aux enjeux de mobilité, etc. Mais donc je crois que les gens, et ça c'est aussi un signe de défiance vis-à-vis du politique, ne sont pas convaincus que faire quelque chose serait mieux que de ne rien faire. Donc je pense qu'il y a effectivement cette idée très répandue de dire après tout, ça ne fonctionne pas si mal maintenant, on a un gouvernement en affaires courantes, il y a une partie une grande partie de l'électorat finalement qui n'était pas satisfaite pour des raisons différentes de l'action du gouvernement Michel, et donc les gens se disent, écoutez, un gouvernement finalement, mieux vaut que rien ne se passe plutôt que d'avoir des mesures dont nous ne voulons pas. Et donc c'est un peu ça le problème aujourd'hui.